protégé puisque c'est l'espace pour le show aujourd'hui. Et donc l'hélicoptère va, ce que vient de dire le collègue, va l'intercepter en fait. Comment ça se passe, parce qu'il intercepte pas avec la radio, comment ça se passe? Alors là, il faut imaginer que cet avion vient de pénétrer une zone interdite, l'hélicoptère est lancé parce qu'il y a beaucoup de radars en France qui permettent de détecter ça, et il se rapproche le plus vite possible de cet avion pour aller communiquer avec lui, soit par radio, parce qu'ils n'ont pas toujours volonté de faire quelque chose de style, pour lui proposer de lui demander de venir sur une fréquence, et ensuite lui donner l'ordre de sortir de cette zone. Il y a beaucoup de zones en France qui sont interdites parce qu'elles sont dangereuses pour notre sécurité, et donc lui, sa mission, c'est d'aller écarter cet avion de sa route. Donc là, vous voyez se rapprocher de ce petit avion de tourisme pour lui dire, viens sur cette fréquence, on va échanger. Il faut savoir que si jamais vraiment c'est quelqu'un qui avait des volontés aussi, eh bien, il y a un tireur d'élite à bord qui est capable de neutraliser cet appareil. Là, vous assistez à ce qui se passe, à une interception, on va dire, en direct, quand un avion arrive dans une zone aérienne protégée, il n'a rien à y faire, et tout de suite, l'hélicoptère décolle. Si c'est un plus gros avion, c'est les mirages qui décollent, comment ça se passe? Oui, alors, on essaye surtout, ce qui est hyper important, c'est d'être très réactif. Et donc, là où c'est très loin, c'est le mirage qui va y aller en premier, mais le mirage, il n'est pas capable de voler si bien, si près de l'avion, donc on est complémentaire. Donc ça va dépendre un peu de la vitesse de réaction qu'on va avoir. Si on a le temps d'envoyer un hélicoptère ou si un hélicoptère est juste à côté, on préfère l'hélicoptère parce qu'il est plus manœuvrant et il pourra mieux échanger avec nous. Il faut savoir que le Mirage 2000 a des capacités aussi de destruction qui sont supérieures à l'hélicoptère. Donc voilà, on est ensemble, on communique et tous ces pilotes là que vous voyez ici ont à peu près 100-150 jours d'alerte par an. Ils ont un engagement qui est constant pour cette protection intérieure du territoire et ils ont tous des belles histoires à raconter. Ils sont décollés sans savoir pourquoi et sont allés intercepter un avion qui allait survoler ces zones interdites. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet hélicoptère-là, il fait aussi du service public. C'est-à-dire que s'il y a des événements, des catastrophes, on va aller en soutien des autres hélicoptères, d'autres forces, pour assurer et venir à une coalition de SAR, qu'on appelle des search and rescue, où quelqu'un est en perdition, il va aller le chercher. Donc c'est quand même multitâche, on ne fait pas que de l'interception. Ça y est, en tout cas, l'interception s'est bien passée. Il nous tarde. Merci beaucoup, merci. L'hélicoptère qui revient tranquillement, qui regarde tout ce qui s'est passé. Et bien, il fait que sur la plage, tout va bien. Alors, on va lui faire un petit signe, tout va bien sur la plage, on va dire. On prend le soleil, merci beaucoup, on lui fait un signe, allez, à droite. On le salue. Il nous salue aussi, là-haut, regardez, hop là, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Il nous voit très bien, merci. Il sera pour nous protéger, pour faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde, il leur rende hommage aujourd'hui. Et bien. Thank you.